Matango, 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 bienvenue sur Matango, votre web émission hebdomadaire sur le Congo, ça du lait. Moi vous connaissez non, petit verre de Matango, on sat et on nague les commentaires. C'est parti, on va commencer par un chiffre qui nous a marqué cette semaine, 450 millions, le montant des obsèques de Madame Fonny. La femme là, même étant morte, elle continue à faire parler d'elle. Oui, on continue. Smile for Peace. C'est une collecte de fonds dont le but est d'apporter du soutien et du réconfort aux victimes de Boko Haram, les soldats et les réfugiés. Vous avez toutes les informations sur le site internet www.smileforpeace.com ou suivez le hashtag Smile for Peace sur Twitter. Dépêchons-nous, plus que 2 semaines avant la fin de la collecte. Entre temps, Jessica Ngwa, 24 ans et candidate à l'élection Miss Cameroun 2015. Au moins elle, on ne va pas la découvrir le jour de l'élection. La go travaille bindi bindi sa présence sur les réseaux sociaux. Courage aux mamans, suivez-la sur Twitter, @JessicaNgwa. On continue l'image de la semaine. Après les filles de 11 ans qui veulent go en bain, voici le palais des rois belles qu'on a transformé en cabaret puisqu'on a mis Heineken dessus. Maman, pauvre bâtiment du Cameroun, qu'est-ce que tu deviens? On a vraiment donné la honte aux chiens. Anyway, espace Douala Art, du 28 mars au 2 mai 2015. Douala accueille l'exposition Jeune Regard Urbain. Allez découvrir les œuvres d'art plastique de Abdias Ngateu. C'est un gâteau. Non, son nom est un peu, compliqué. Abdias Ngateu, Adja Bena et Jean-David Nkot. C'est vraiment du très bel art. Hip Hop 237. Cette semaine, on a eu des actus et des actus et des actus. Nous avons eu la sortie du clip de Mings qui nous raconte une histoire de panthère. Nous avons eu un peu ce que tu vois. Amour facturé en cap avec la bandée. Ne tente pas, si t'as pas les côtes, cherche pas les bandées. Brésilienne fond de teint, c'est les bandées. Noir comme le cœur, c'est les bandées. Les vrais avocats du diable, c'est qui? C'est les bandées. Si les hommes deviennent infidèles aujourd'hui, ça cause des bandées. Ensuite, nous avons eu le hip-hopper, les hip-hopper de Daido, les Daido Boys du hip-hop camerounais. C'est une prod hyper lourde de ANG. Le titre, c'est Nouveau Suspect. Dangereux comme ça. Feu de boco dans la mâchoire. Fuck you, gars, en tous les patois. Fuck ta jalousie de villageois. Ici, c'est Daido, fuck le Boko Haram. Oko. Nous avons aussi Zyox qui a sorti un Bindi Club Banger. Tu ignores quoi? Le son là, quand tu y as ça seulement, tu dans ta tête, tu es embêté avec les cancans à l'aile. Tu es de côté, tu bouges la tête, tu es niamatique. Si tu n'aimes pas, meuf, tu veux voir? C'est quoi, c'est le style que tu veux voir? Les gars me veulent pour gens pendant que leur go me veulent pour joie. Tu ignores quoi? Moula, c'est pas les histoires. Moula. Zyox, musique à consommer matin, midi, soir. Hein? Et bon, la grosse actu de la semaine, quand même, hein, c'est la sortie du clip de Stanley Eno, King Kong. Après nous avoir charmé longtemps, le clip est un peu sorti de là, quand même. Mais je peux vous dire que ça valait la peine d'attendre. Le clip est juste magnifique. Vraiment magnifique. On termine avec le proverbe de la semaine. L'argent est un aveugle de naissance. Proverbe bamileke. C'était Matango, votre Congo star du Lech. Rendez-vous lundi prochain. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube au Lech pour ne rien rater du Congo star. Bonne semaine à tous.